c'est tellement rien d'y croire. Mais tellement tout, pourtant. Qu'il vaut la peine de le vouloir et de le chercher tout le temps. L'amour. Rav Eli Kling. Rav Yoel Ben Arouche. Présenté par Roni Akrish. L'amour. Comment accomplir l'union et trouver l'unicité. Est-ce que pour laisser place à autrui, qu'on soit Dieu ou qu'on soit l'homme, ne faut-il pas un tant soit peu d'amour? Et donc, Shir HaShirim, ce serait l'histoire d'un amour entre Dieu et Israël, avec dans le rôle de Dieu, l'homme ou la femme. Mais non, l'homme, faut pas exagérer. Donc. Et pour arriver à cet amour, il faut des languissements. Il faut une séparation dans un moment donné. Et sans cette séparation, il n'y a pas ces retrouvailles. Toute l'histoire du peuple d'Israël se fait de cette manière-là. L'amour est une compréhension en soi. Comme toute chose qui est choisie par Bechira Chofshi, tu l'as choisi et donc cet amour-là, il dépend de toi. Ça veut également dire que tu dois l'alimenter sans arrêt, parce que si tu ne l'alimentes pas, il n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il ne suffit pas de dire « je t'aime », il faut aussi vivre cet amour, et vivre cet amour, c'est donner. Une recherche de sa propre singularité et de son intégrité. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer autrui quand nous ne nous sommes point rencontrés personnellement encore. En réalité, tous les acteurs de la Torah sont en réalité des parties de nous-mêmes. C'est nous-mêmes les acteurs de la Torah. Et il y a cette force de caractère, cette persévérance de Léa qui fait que finalement, c'est elle qui va créer avec Yaakov les liens les plus forts et surtout ceux qui vont durer le plus longtemps. Les grands hommes qui vont diriger le peuple, les grands rois, les grands personnages de l'histoire d'Israël sont des enfants de Léa. Car ce que Rachel représente le monde manifesté, Léa représente le monde beaucoup plus subtil. Le véritable amour, c'est celui qui se construit en effet avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de force, mais qui finalement donnera ses fruits jusqu'à la fin des temps. Aimer Dieu, est-ce un devoir ou plus certainement une vertu? Ça veut dire que si mon monde matériel ne respecte pas mon monde spirituel, et inversement, si mon monde spirituel ne respecte pas mon monde matériel, mais il n'y a pas d'association, il y a un problème. Sois toi-même comme le divin. Si Akadosh Baruch Hu fait du chesed quand il revient dans ce monde, toi-même fais du chesed. Tu vas ressembler à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va te choisir pour passer par toi. Rabbi Nachman disait, quand tu regardes quelqu'un avec bienveillance, en fait, tu le rends bien. Le fait de donner à quelqu'un d'autre, c'est le rendre mieux également. En lui donnant notre amour, on le rend davantage aimable. Comme ça dit le Zohar, c'est la plus grande preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est que vous soyez assis dans cette salle. C'est tellement fort, c'est tellement tout, l'amour. Regardez, si je parle comme lui, ça marche. Il n'a pas besoin de micro. Non, il n'a pas besoin de micro.